Chers internautes, bonsoir, bienvenue sur la plateforme du premier CPC. Ce soir, nous recevons le général Didier Tauzin ainsi que Marc Ricci, Provence Reporter, qui a choisi notre plateforme pour faire un interview. Bienvenue à vous. Bienvenue, merci. Bonjour. Bonjour. Donc, mon général, bonjour. Je suis un petit peu quand même ému de faire l'interview d'un général parce que vous avez quand même une carrière qui est quand même, puisque vous avez fait l'école Saint-Cyr, vous êtes diplômé de l'école supérieure de guerre, auditeur au centre des hautes études militaires et l'école des généraux et auditeur de l'Institut des hautes études de défense nationale. Vous avez 36 ans de carrière militaire, vous avez fait une vingtaine d'opérations extérieures, libération d'otages, assistance opérationnelle à armées étrangères en difficulté. De 2002 à 2004, vous étiez général adjoint au commandant de la région militaire de Bordeaux. De 2004 à 2005, vous avez commandé le service militaire adapté, qui est un service d'insertion sociale et économique de jeunes ultramarins défavorisés, ce qui représentait 8 régiments répartis dans la région des territoires d'outre-mer. De 2005 à 2006, à la demande de Madame Alliot-Marie, vous avez conçu puis créé l'EPID, établissement public d'insertion de la défense. C'est un service d'insertion de jeunes Français métropolitains défavorisés. Vous avez enseigné ensuite l'éthique comportementale du cadre à l'Université de Sceaux, ainsi que la prise de décision et l'éthique dans les relations internationales. Vous avez prononcé de nombreuses conférences, essentiellement sur la guerre du Rwanda. Vous avez quitté l'armée, mais vous êtes resté actif, puisque vous avez conçu et développé un projet éducatif, financièrement autonome au Sénégal. Pour cela, vous avez créé en France une association et une entreprise, et au Sénégal, une association, une école et une exploitation agricole. Enfin, je vais terminer. Vous avez été candidat à la présidentielle de 2017. Vous avez été contacté par deux partis, mais vous avez refusé, car les conditions qui vous étaient imposées vous aurez fait perdre toute liberté d'action. Bien entendu, c'est très condensé, parce que si j'avais dû développer votre carrière, on y serait pendant des heures. Voilà. Donc je pense, s'il y a une erreur, corrigez-moi, mais je pense. Oui, je vous en prie. Il y a juste une chose à laquelle je tiens beaucoup. J'ai commandé le premier régiment parachutiste d'infanterie de marine à Bayonne, qui est un régiment de forces spéciales. Quelque chose d'absolument magnifique. Et je m'y suis, comme on dit aujourd'hui, éclaté. J'étais très heureux. Okay. Alors, si vous le permettez, moi, j'ai des questions à vous poser. Alors, ces questions, comment elles sont venues, pour que je puisse vous les poser, c'est que lors de beaucoup de manifestations sur lesquelles moi j'étais sur le terrain, ces questions m'ont été posées, plus ou moins, où j'ai entendu les personnes parler. Parce que des fois, j'écoute un petit peu ce qu'ils sont en train de dire. Et moi, ma première question, ça serait surtout à l'heure d'aujourd'hui, ça va être des questions d'actualité. Seriez-vous favorable au rétablissement des frontières? Alors, quand on regarde l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu, sous une forme ou une autre, des frontières. Des frontières qui étaient peut-être parfois un ruisseau, une montagne, peu importe, mais qui abritaient un clan, une famille ou une nation. Il y a toujours eu des frontières. C'est un phénomène qui est tout à fait naturel. Et d'ailleurs, si vous voulez, même au niveau personnel, vous voulez être tranquille chez vous, eh bien vous fermez la porte du jardin, si vous avez un jardin, ou bien la porte de la maison. La frontière n'est pas dirigée d'abord contre les autres, elle est d'abord destinée à protéger ceux qui sont à l'intérieur. La frontière est destinée à permettre, c'est un facteur de sécurité de ceux qui vivent à l'intérieur de cette frontière. On peut y vivre, y développer notre économie, etc., sans pour autant être vindicatif à l'égard des autres. C'est pas, une frontière n'est pas nécessairement quelque chose de vindicatif, parce qu'une porte de jardin, on peut l'ouvrir pour accueillir le voisin ou accueillir un étranger. De même, on peut ouvrir une frontière pour accueillir, mais il faut dans ce cas que la personne qui vient, qui est accueillie, respecte les règles. Hein, qui sont à l'intérieur des frontières. Sinon, on tombe tout de suite dans une situation de déséquilibre et de conflit potentiel. Hein. Donc, j'ajouterais que
si vous voulez, la frontière est nécessaire, surtout aujourd'hui, elle est nécessaire à la restauration de notre unité nationale. Ouais. Elle est vraiment nécessaire. Alors, maintenant, dans la situation très précise d'aujourd'hui, il y a des pays européens, dont la France, et il y a des frontières européennes aussi. Alors, on a gommé les frontières très largement, mais pour quelles raisons ? D'abord, pour des raisons économiques, pour favoriser le commerce, pour favoriser les transactions, pour des raisons aussi qui ne sont pas forcément économiques, mais plutôt idéologiques. Idéologique, favoriser les mouvements de population, bien sûr, mais en favorisant les mouvements de population, en particulier des populations des pays pauvres vers des pays qui sont moins pauvres, eh bien, on risque de déséquilibrer tout, absolument tout. Hein. Je préférerais qu'on aille aider les pays pauvres chez eux. Je préconise qu'on fasse un partenariat en particulier européen et comprenant la Russie, parce que la Russie est un pays d'Europe, un partenariat européen pour aller aider les pays pauvres du Sud plutôt que de se laisser envahir par eux, parce que au bout du compte, quand nous aurons des millions et des millions de miséreux chez nous, eh bien, tout va craquer. Tout va craquer. Je crois qu'il faut, même pour eux, même pour l'avenir de ces gens qui sont dans les pays pauvres du Sud, en particulier en Afrique, eh bien, il faut que nous restaurions nos frontières, ce qui ne veut pas dire être vindicatif, et ça veut dire simplement protéger ce que nous, protéger nos acquis, etc., et ensuite aller les aider. Ouais. Alors, maintenant, frontières françaises, frontières européennes. Bon. Heureusement, nous ne sommes plus entre 1870 et 1914. Donc, il est illusoire, il serait anormal de rétablir, par exemple, entre la France et l'Allemagne, hein, les frontières qu'il y avait à cette époque-là. Hein. Nous sommes maintenant deux pays amis, même s'il y a parfois des difficultés, comme toujours entre les amis, hein, mais qu'il y ait quand même des frontières souples, je crois que c'est nécessaire. De même avec l'Italie, l'Espagne, etc., et avec la plupart des pays européens. Mais il faut que la France choisisse ses ailes, quand même, de même que l'Allemagne, l'Italie. En revanche, là où je crois qu'il faudrait être beaucoup plus ferme, c'est sur les frontières de l'Europe. Hein. Pour les raisons que je disais tout à l'heure, que je commençais à dire tout à l'heure, Erdogan, par exemple, nous envoie des milliers, des centaines de milliers, des millions de pauvres gens, c'est lui qui nous les envoie, et on ne sait pas le gérer. Regarde ce qui s'est passé en Espagne, à Ceuta, donc là, cette semaine, 8000 Marocains qui sont arrivés comme ça, instantanément. Bon, il y a quelque chose à faire, et là, il faut le faire au niveau européen. Et si nous ne le faisons pas au niveau européen, eh bien, aucun pays européen ne survivra à l'afflux de migrants qui va débouler. Voilà. Donc, il faut que les Européens, les pays européens, s'entendent pour fortifier, entre guillemets, non pas au sens médiéval du terme, faire des fortifications, hein, mais peut-être d'ailleurs faudra-t-il en passer par là, hein, mais pour établir des frontières européennes solides, avec une garde aux frontières solide, pour préserver les pays européens, pour que nous puissions continuer de vivre chez nous, et puis de nous développer, ce qui ne veut pas dire, je le répète, être vindicatif à l'égard des autres et les refuser. Ok, Marc. Oui. Vas-y, à toi. Oui, pardon. À toi. Ah oui, non, mais j'allais prendre le. Donc, vous avez répondu en partie, même complètement, à ma deuxième question qui était quelles mesures prendriez-vous contre l'immigration? Et je crois que. Ah, mais je peux dire. Oui, si vous avez. Je crois que je peux en dire plus. Oui. Allez-y, mon général. Oui. Parce que si vous voulez mettre. Comment dire, établir ces frontières européennes, c'est une chose qui, à mon avis. Très important, mais il faut s'entendre entre pays européens, et ce sera ça la grande difficulté. Bien, en revanche, la France est un pays européen, certes, mais elle doit retrouver, je le répète pour la troisième fois, elle doit retrouver sa souveraineté. Sinon, elle est fichue. Bien, et en particulier sur cette affaire-là, l'immigration, hein, qui est sans doute le plus grand sujet du moment, et que je crois que nous avons, les chiffres varient bien entendu, environ 17 millions d'immigrés en France, immigrés de taille récente ou plus ancienne, de migrants aussi, 17 millions, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, dont une immense majorité de musulmans. Bien. Ce qui développe un sentiment d'insécurité
vrai ou faux, avec, comment dire, qui est, je cherche le mot, pardonnez-moi, un sentiment d'insécurité, et donc le, nous ne devons pas accepter cela, nous ne pouvons pas vivre en permanence avec un sentiment d'insécurité, parce que si nous avons ce sentiment, c'est bien qu'il y a quelque chose derrière. Et il y a 2 jours à peine, je recevais chez moi le maire d'un petit village tout proche de chez moi, qui, attention, 250 habitants en pleine campagne, hein, donc il n'y a pas beaucoup de migration là-dedans, hein, mais qui lui-même s'inquiétait de cela. Dans les campagnes aussi, on s'inquiète de cela. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Alors maintenant, que faire? Eh bien, il faut que sur cette affaire-là, comme sur beaucoup d'autres choses, surtout d'ailleurs, le peuple souverain reprenne la main. Soit le peuple est souverain, soit, comme aujourd'hui, il est sous la tyrannie des partis politiques. Ce que je préconise, moi, c'est un référendum. Un référendum, le peuple souverain reprend la main, il décide d'une pause migratoire de longue durée. Moi, je propose 30 ans, minimum, 30 ans. Hein, parce que pendant ces 30 ans, on va pouvoir rétablir la situation intérieure. On va pouvoir développer une politique d'assimilation de tous les gens qui sont arrivés chez nous, qui, pour l'immense majorité, ne demandent que cela. Ne demandent que cela. Hein. Donc, il faut développer cette politique d'assimilation. Nous pourrons aussi, pendant ces 30 ans, avoir les mains beaucoup plus libres si les frontières sont gardées, parce qu'il faut aussi une police de garde des frontières. C'est impératif, sinon ça ne marchera pas. Hein. Sachant que les frontières françaises sont terrestres, maritimes et aériennes, mais elles sont non seulement sur la côte méditerranéenne, elles sont aussi en Guyane, en Polynésie, etc. Hein. Donc c'est un gros travail, mais il faut le faire. Et donc pendant, nous pourrons profiter, nous serons à l'abri de cette pause migratoire, aussi pour rétablir l'ordre dans les 1000 zones de non-droit qui existent en France. Vous imaginez, la France est maintenant, elle est pleine de trous, elle est pleine de trous, hein, c'est 1000 zones de non-droit en France, c'est ahurissant. Nous pourrons procéder aux expulsions nécessaires, nous pourrons surtout, et c'est essentiel, c'est surtout cela, procéder à un renouveau de notre unité nationale, retravailler notre unité nationale. Voilà, donc pour l'immigration, moi je préconise un référendum pour une pause migratoire de 30 ans. Et là, c'est le peuple qui décidera. S'il ne veut pas de cette pause migratoire, ça veut dire que le peuple souverain accepte la mort de la France en moins de 100 ans. L'actualité, malheureusement, a été endeuillée ces derniers jours, puisque moi j'habite à 10 km d'Avignon. Et vous avez vu ce policier qui était intervenu tout simplement pour un petit trafic, s'est retrouvé abattu de 2 balles. Alors, quand je parle de policier, c'est aussi bien la gendarmerie, puisqu'elle a été endeuillée aussi il n'y a pas si longtemps. Quels moyens donneriez-vous à la police ou à la gendarmerie afin qu'elle ne soit plus prise pour cible? Pour avoir discuté avec des policiers ce jour-là, ils m'ont dit maintenant, c'est des paris qui sont faits. C'est-à-dire que quand on se déplace quelque part, on est dans un traquemas et c'est celui qui va aller de plus en plus loin. On avait vu le cas de ces policiers qui avaient été brûlés dans la voiture. Donc, quels moyens on pourrait leur donner pour qu'ils se sentent quand même beaucoup plus en sécurité? Alors, quand vous demandez quels moyens, on pense tout de suite aux moyens, l'armement, etc. On pense aussi aux effectifs. Ce n'est pas d'abord cela. Il est évident qu'il faut adapter les effectifs et les moyens de la police, de la gendarmerie. Aujourd'hui en France, si mes connaissances sont exactes, nous avons 300 policiers pour 100 000 habitants. Il y en a pas loin de 500 en Espagne, il y en a à peu près 300 aussi en Allemagne. Bon, étant donné la situation, je trouve que ce n'est pas suffisant. Et il y a sans doute aussi des moyens à réadapter. Ceci étant, ce n'est pas d'abord cela qui compte. Ce qui compte, c'est qu'il est nécessaire que la peur change de camp. Il n'est pas normal que nos policiers aient la trouille quand ils vont faire leur métier. Hein. Ils sont ici pour nous servir, pour servir la France, pour protéger les Français et l'unité nationale. Il n'est pas normal qu'ils soient pris pour cible, il n'est pas normal qu'ils aient la trouille. Hein. Il faut que les gens d'en face, les casseurs de policiers, eux aient la trouille. Voilà. Et ça, ça nécessite bien sûr des changements importants. Par exemple, il faut qu'il y ait une présomption d'innocence lorsqu'un pilote, un policier, ou de légitime défense plutôt, lorsqu'un policier est amené à tuer quelqu'un. D'abord une présomption de légitime défense, mais il faut surtout que nous
revoyons complètement, et ça c'est au niveau politique, et dans l'état actuel des choses, ce n'est pas possible. Il faut que nous revoyions notre politique pénale. Moi, j'ai du mal à me mettre à la place des juges, des juristes, etc., parce que c'est un foutoir gigantesque, notre politique pénale. La politique pénale fait partie des responsabilités essentielles de l'État. Je rappelle que les seules fonctions que l'État doit impérativement remplir et pour lesquelles il doit être aussi parfait que possible, on les appelle les fonctions régaliennes, la sécurité extérieure, la sécurité intérieure, la justice, et les affaires étrangères et la monnaie. Voilà. Et donc aujourd'hui, la justice elle ne peut pas travailler correctement parce qu'il n'y a pas de politique pénale solide. Regardez ce qui s'est passé pendant les manifestations, il se passe tout le temps d'ailleurs, pendant les manifestations de gilets jaunes. Les gilets jaunes n'étaient pas des méchants. C'est le peuple de France qui se lève pour dire il y en a marre. Il y en a marre d'être pris pour des imbéciles, il y en a marre de travailler pour ne pas manger suffisamment, etc. Il y en a marre. Il y en a marre que la France soit conduite au précipice. Eh bien, les Gilets jaunes ont été traités plus durement que les Traoré et compagnie. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et là, c'est une faute politique. Et revoir la politique pénale, c'est-à-dire qu'il faut la simplifier, il faut qu'elle soit ferme, qu'elle soit cohérente. Et s'il faut construire des prisons, eh bien, construisons des prisons. Voilà. Parce que si on ne construit pas des prisons aujourd'hui alors qu'il y en a besoin, eh bien, de toute façon, la situation va se dégrader. Et puis, ce sont nous, nous et nos enfants qui vont en pâtir. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la France va partir à volo. Voilà. Donc, aujourd'hui, ça va coûter cher? D'accord, ça coûtera moins cher que de bousiller la France. Donc, construire des prisons, et il y a même des gens qui m'ont dit, suggéré comme ça, bon, pour l'instant, je n'ai pas répondu, je n'ai pas fait ma décision, mais il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi ne pas restaurer le bagne? Parce qu'on est dans une situation terrible, pourquoi ne pas rétablir la peine de mort pour certains cas? Eh bien, écoutez, je crois qu'il ne faut pas sourire sur ces sujets-là, parce que la situation peut continuer de se détériorer terriblement. Il n'est pas normal que quasiment toutes les semaines ou toutes les 15 jours, un policier soit tué en France. Ce n'est pas normal. Donc, moi, je vais y réfléchir. Encore une fois, je n'ai pas suffisamment réfléchi. Mais pourquoi ne pas envisager un référendum? Voulez-vous rétablir le bagne qu'on n'installera pas en Guyane mais au Kerguelen? Et puis, voulez-vous, pour certains cas, rétablir la peine de mort, particulièrement l'assassinat de policiers. Voilà. Il faut que la peur change de camp. Les policiers sont ici pour servir la France et les Français. Il faut cesser de les instrumentaliser pour des raisons politiciennes, parce que quand on favorise les Traoré par rapport aux Gilets jaunes, eh bien, c'est pour des raisons politiciennes. Voilà. En fait, au bout du compte, le vrai problème, c'est quoi ? C'est toujours le même, et je ne cesse de le dire et de le redire, c'est qu'en France, nous n'avons plus d'hommes et de femmes politiques. Nous n'avons plus que des politiciens. L'homme ou la femme politique est au service de la France et des Français. Le politicien est au service soit de sa carrière, soit d'une idéologie, soit d'une puissance financière ou une puissance étrangère. Eh bien, nous n'avons plus que des politiciens. Et quand on aura des hommes politiques au service de la France, des choses pourront changer. Mon général, pourront faire le travail beaucoup plus paisiblement. J'avais juste une petite question, et après je laisserai Marc rebondir là-dessus. On voit qu'il n'y a pas que les policiers, on voit les pompiers, on voit les infirmières qui vont dans les quartiers difficiles, on voit les instituteurs, tout ce qui est autorité en fait. Tout ce qui représente. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. On peut étendre cela. On peut étendre cela à énormément de corporations entre guillemets. Il est inadmissible qu'un camion de pompiers soit incendié et les pompiers molestés alors qu'ils vont prêter secours. Mais c'est ahurissant de vivre une situation comme ça. Et ça, cette situation existe parce qu'il y a une démission de nos responsables politiques. Voilà, ils ne font plus de politique, ils font des gamineries de gamins dans une cour d'école, c'est autre chose. Voilà. Et c'est la France et les Français qui en pâtissent. Marc ? Oui, mon général, à l'heure actuelle, on voit beaucoup de jeunes qui ne sont plus sur les rails, ils ne savent plus où ils vont, ils n'ont pas eu l'éducation sans doute qu'ils auraient dû avoir.
Est-ce que vous seriez favorable à la réinstauration d'un service militaire? Alors, d'un service militaire, non. Parce que d'expérience, j'ai aussi commandé des appelés, pas beaucoup, mais parce que j'étais surtout avec des professionnels. Mais il est illusoire de penser que c'est une illusion de penser que tous les garçons et filles sont capables de faire la guerre. Non. Il y a quelques-uns qui ne sont pas capables de faire la guerre. Et si on les y envoie, alors là, ça devient la chair à canon. Et ça, c'est inadmissible. Bien. Donc, le service militaire universel obligatoire, je ne suis pas favorable. En revanche, si la question est posée, c'est essentiellement pour des raisons autres que militaires. C'est parce que le service militaire avait une vertu d'éducation, d'unité nationale. Il favorisait le développement personnel intégral de chacun des garçons qui y passaient. Hein. Mais si c'est ça qu'on vise, eh bien faisons autre chose. Et moi, nous avons, avec mes équipes, envisagé un service national de cohésion. Ce n'est pas un service militaire. Un service national de cohésion qui s'adresserait à tous les jeunes des 18 à 25 ans, hein, et qui serait en trois phases. La première consiste, je ne sais pas quelle de la durée, il faut l'affiner tout ça. Hein. La première consisterait à réapprendre à ces jeunes ce que malheureusement, et ce n'est pas leur faute, mon d'une pipe, ils sont victimes plus que beaucoup plus que coupables. L'immense majorité ne sont pas coupables. Hein. Ils sont victimes. Leur réapprendre la vie en commun, leur réapprendre l'effort, leur réapprendre la poursuite d'objectifs en commun, leur réapprendre quelque chose qui est grand quand c'est bien vécu, l'obéissance, leur réapprendre aussi à commander, leur réapprendre l'amour de la France, leur réapprendre les valeurs fondamentales de la vie ensemble. Voilà, un service, d'abord, une première phase pour cela. Et puis ensuite, une deuxième phase au cours de laquelle chacun de ces jeunes irait rendre service à la nation dans toute une série de corps, si vous voulez, qu'il faut définir encore. Bien sûr, ils pourraient aller dans les armées à leur choix, s'ils le choisissent. Hein. Et je suis intimement persuadé que beaucoup choisiraient d'aller dans les armées. Hein. Mais il y aurait aussi les sapeurs-pompiers, il y aurait aussi la police de la route, il y aurait aussi la garde des frontières, il pourrait y avoir diverses autres choses, les SAMU, etc. Mais rendre service à la nation pendant un temps déterminé, qu'on leur réapprenne aussi quelque chose que personne ne leur a appris, c'est dramatique. Rendre service, c'est très important de savoir rendre service dans une communauté, que ce soit la famille, la nation, etc. Pardon. Et puis, dans la troisième phase, uniquement pour ceux qui en auraient besoin. Alors je précise tout de suite que c'est pour tous les gamins, pardon, tous les jeunes de 18 à 25 ans, y compris les énarques. Oui, oui, y compris les énarques. Hein. Et pour cela, il y aurait peut-être un traitement de faveur. On peut en parler après, si vous voulez. La troisième phase consisterait à rendre service aux jeunes. D'abord, les jeunes ont rendu service à la nation, ensuite la nation rend service aux jeunes les plus défavorisés. Et bien là, on retombe sur quelque chose que vous avez cité dans ma biographie, l'EPID, établissement public d'insertion de la défense, qu'on peut transformer, il faut transformer d'ailleurs, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en la matière. L'EPID, c'est-à-dire que on apprend la plupart du temps à ces jeunes à lire, écrire et compter, parce qu'ils ne savent pas. Donc, sait-on aujourd'hui en France que nous avons 30% d'illettrés aujourd'hui dans nos classes d'âge d'aujourd'hui, alors qu'il n'y en avait que 8% dans les années 80. 8%. Et en 40 ans, vous vous rendez compte le déclin qu'on a connu? Eh bien, aujourd'hui, il faut leur réapprendre à lire, écrire et compter. Il faut leur réapprendre les rudiments d'un métier, leur faire passer un examen et les embaucher. Et leur trouver un emploi. Et c'est faisable. Et c'est là, si en plus on leur donne un tuteur, voilà. Ce service national de cohésion, j'y crois beaucoup. On va me dire, ça coûte cher. Bien sûr, ça va coûter cher. Nous avons évalué à 15-20 milliards par an. À peu près ce que coûte, d'ailleurs, c'est dans un tout autre ordre d'idée, à peu près ce que coûtent les régions économiques françaises. Voilà. Bien. Mais c'est de l'investissement. Si on ne fait pas cet investissement, eh bien, ces jeunes, eh bien, il va falloir
les supporter et non pas et non pas les et alors qu'ils pourraient participer à la vie nationale. Il va falloir leur donner de l'argent qu'ils n'auront pas gagné, il faut leur réapprendre à travailler, etc. Soit on investit pour cela, soit on va encore avoir une situation de plus en plus délétère. Donc, voilà ce que je propose. Non, je ne suis pas pour le service militaire, mais au contraire pour un service de cohésion nationale. D'accord. Alors là, c'est une question aussi alors, qui brûle d'actualité depuis plus d'un an, hein, à peu près 14 mois. En ce qui concerne la crise sanitaire actuelle, que pensez-vous de la vaccination que le gouvernement veut nous rendre obligatoire pour que l'on puisse soi-disant vivre comme avant, et en même temps, êtes-vous pour ou contre ce passeport vaccinal, sanitaire? Alors, pour l'instant, à ma connaissance, mais peut-être ai-je loupé une information, il n'y a pas de volonté du gouvernement de le rendre obligatoire. Ceci étant, il est clair qu'il y a beaucoup de pression pour qu'il devienne obligatoire. Voilà. D'ailleurs, j'ai entendu récemment dire que dans certaines grandes écoles d'État, dans certaines universités, eh bien, il est imposé aux jeunes étudiants de se faire vacciner hein, pour passer leurs examens. Je trouve ça, pour moi, c'est très mauvais. Hein. Alors, il est clair que les vaccinations obligatoires ne sont pas d'aujourd'hui. Dans mon enfance, mes parents ont été obligés de me faire vacciner contre le DTTAB, etc. Hein, bien sûr. Ceci étant, qu'est-ce qui a changé? Et c'est majeur ce que je vais dire. Ce qui a changé, c'est qu'à l'époque, on avait confiance dans le gouvernement et on avait confiance dans la médecine, on avait confiance dans les chercheurs. Aujourd'hui, la confiance n'existe plus. Hein. Et notamment, la façon dont la crise du Covid a été gérée a complètement sapé la confiance. Quand on constate que des sommités mondiales, comme par exemple le professeur Raoult, mais il y en a d'autres, hein, sont complètement mis de côté, qu'on les contredit en permanence, alors que ce sont des sommités mondiales, hein, eh bien, forcément, la confiance disparaît. Moi, je n'ai plus confiance. Je n'irai pas me faire vacciner, il faudra me prendre pour me piquer. Hein, parce que il y a tellement de choses aussi qui sont produites sur les réseaux, hein, qu'on est, pardonnez-moi le mot, on est paumé. Il y a des gens qui ont peur, qui se font vacciner, d'autres qui ont peur d'être vacinés, etc. C'est une vraie pagaille. Et donc, si vous voulez, et tout ça, à quoi ça sert? Parce que cette déconfiture de la confiance, ça sert à quelque chose. Eh bien, ça sert toujours à la même chose, à la tyrannie des partis politiques sur la France. Il nous divise. Non seulement, maintenant, autrefois, c'était la lutte des classes, entre les blancs et les blackbirds, etc. Maintenant, c'est entre les anti-vax et les pro-vax. C'est comme ça que ça se passe. On nous divise en permanence, parce qu'une tyrannie ne peut perdurer que par la division de ceux sur lesquels elle s'impose. Voilà. C'est le gouvernement par la peur. Et quand on est dans cet engrenage, on ne sait pas où on va s'arrêter. Le gouvernement, par la peur, par la restriction des libertés, attendez, mais regardons l'histoire dans une pipe, où on va me dire que je vois trop loin, peut-être. Regardons l'histoire, ça peut déboucher sur des camps d'internement, que dans certains pays, on appelait des camps de concentration. Ça peut déboucher sur des quantités de choses. Hein, tout à fait attentatoire à la liberté personnelle et au développement non seulement personnel intégral, mais au développement d'une nation. Il faut arrêter, il faut rétablir la confiance. Et encore une fois, je répète et je répéterai sans cesse parce que c'est le fond du problème. Le fond du problème, c'est que nous n'avons plus d'hommes politiques, mais des politiciens. On va y revenir, mon général. Oui. Puisqu'on qu'on va dépasser notre temps qui nous est imparti, donc on va essayer un petit peu de caser les questions un petit peu plus rapidement. Moi, ce qui me choque, c'est que sachant que l'Assemblée nationale est composée de 577 députés, vous semble-t-il normal qu'une loi puisse être votée par à peine une centaine de députés?
Non, bien sûr, c'est évident. Je ne suis pas du tout d'accord. Mais on retombe sur la même chose. On retombe sur la même chose. Pourquoi cela se passe-t-il? Mais parce que quand un gouvernement, un chef d'État issu d'un parti politique, donc porteur d'une idéologie, veut faire passer quelque chose et que il sait ou il pressent que à l'Assemblée nationale, si tout le monde vote, eh bien, ça ne passera pas, eh bien, il s'arrange pour faire voter lorsqu'il n'y a qu'une centaine de personnes, par exemple à 3 heures du matin. Oui, mais voilà. Une loi devrait être faite à ce moment-là que tout vote où il n'y a pas minimum la majorité ou non, les trois oui. Oui, mais n'est pas voilà. Je suis d'accord avec vous, mais ça va beaucoup plus loin que ça, Monsieur Ricci. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça veut dire que encore une fois, désolé de me répéter, encore une fois, c'est le parti et son idéologie qui prévalent sur l'expression de la volonté du peuple souverain. Voilà, hein, c'est toujours la même chose. Fondamentalement, avant toute loi, si importante qu'elle soit, mais comme celle que vous proposez, qui reste malgré tout, même très importante, une loi de détail, fondamentalement, il faut d'abord restaurer la souveraineté du peuple sur les affaires de la nation. Même s'il faut affiner un petit peu, repenser par mode de scrutin référendaire, par référendum, repenser la souveraineté du peuple sur certains points, parce que je crois que c'est très important. Eh bien, il faut d'abord la rétablir, c'est-à-dire il faut mettre par terre la tyrannie des partis politiques. Je n'appelle pas du tout au coup d'État, parce que ça ne servira à rien, au contraire, sauf à verser du sang, une fois de plus, à semer le désordre, mais il faut que le peuple, quand j'entends qu'il y a des gens qui passent leur temps à râler et qui disent « moi je mets ma carte d'électeur à la poubelle », alors qu'ils sont… Eh bien, ces gens-là n'ont pas à râler. Hein, si on met sa carte d'électeur à la poubelle, qu'on se taise. Hein, parce que si on fait partie du peuple souverain et qu'on ne veut pas voter, eh bien, il faut se taire. Hein, ça s'appelle une désertion. Une désertion de l'électeur, une désertion du citoyen qui fait partie du peuple souverain. Et il faut s'inscrire sur les listes électorales. C'est nécessaire et il faut voter. Alors, même voter blanc, mais il faut voter. Bien entendu, notamment, on va revenir sur ce qui est les hommes politiques. Et là, c'est une question très courte, je veux dire, mais qui, comment peut-on prétendre à plusieurs mandats le cumul et pouvoir les respecter convenablement? Comment peut-on être maire d'une commune et être en même temps à Paris et pouvoir travailler convenablement? Est-ce que vous seriez pour qu'il y ait la suppression de ces cumuls de mandats? Bon, il y a déjà des lois limitant le cumul des mandats. Je crois que, voyez-vous, que le vrai problème n'est encore une fois pas là. Parce que le maire d'une commune qui a aussi un métier, bon, il peut difficilement être cumulé avec un autre mandat. Par contre, un retraité, lui, il peut être maire d'une petite commune et avoir un autre mandat. Le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème est pourquoi est-on élu? Pourquoi demande-t-on un mandat? Pour servir ou pour se servir? Eh bien, si vous voulez, oui, mais le vrai problème est là, parce que vous avez il y a des quantités d'élus qui sont au service de leurs concitoyens, mais vraiment au service. Hein. Et puis, ils sont leur réputation est mise à mal par quelques-uns qui, eux, sont là pour servir et qui, en fait, vont souvent beaucoup plus loin qu'eux dans la hiérarchie. Bien, donc, plutôt, voyez-vous, que de limiter le nombre de mandats, le cumul des mandats, si on limitait le montant des émoluments, je vous garantis que ça changerait les choses. Oui, mais c'est une autre façon de voir les choses. Parce que quand on entend que certains, alors je ne donnerai pas de nom ici, hein, que certains élus, en cumulant leurs divers mandats, les retraites d'élus, etc., arrivent à 20 000 euros par mois, mais c'est ahurissant, quoi. Ou plus, mais c'est ahurissant. Alors là, c'est un sujet d'actualité qui est brûlant aussi, malheureusement, avec tout ce qu'on voit, les viols, les braquages, ceci, cela. Dans le domaine de la justice, qu'envisageriez-vous pour empêcher un multirécidiviste? Alors là, quand je parle de multirécidiviste, c'est tout délit ou tout crime confondu, de nuire à nouveau. Parce que c'est malheureusement, souvent, on vous dit, il a été condamné à 25 ans de prison, il est sorti au bout de 15 ans, dans les 6 mois ou dans les 2 ans qui a suivi, il a reviolé ou il a tué. Donc ces gens-là, il faut les empêcher de venir à nouveau.
Oui. Alors, si vous voulez, d'abord, on n'obtiendra jamais une situation parfaite en la matière. Ce n'est pas possible. Sur un pays de bientôt 70 millions d'habitants, il est impossible qu'on arrive à une situation parfaite. Ceci étant, on peut l'améliorer. Et l'améliorer comment? Eh bien, que l'État fasse son boulot. L'État fasse son boulot. Il faut une politique pénale solide, sérieuse. Et aujourd'hui, toutes ces situations marquent l'échec de notre politique pénale. Et cela depuis des années. Ce n'est pas uniquement avec M. Macron, c'est depuis des années. L'échec de notre politique pénale. La politique pénale, une politique pénale claire, elle est garante de la sécurité intérieure, qui est l'une des missions prioritaires de l'État. Pour moi, il est impensable que l'État s'occupe de la limitation à 80 ou à 90 sur des routes départementales et qu'il ne s'occupe pas de la sécurité intérieure. Voilà, je prends un exemple, je pourrais trouver mieux d'ailleurs, ou pire. L'État s'occupe de tout et de tout. Quand vous pensez qu'il consacre 6% uniquement de nos impôts aux missions dont lui est responsable, lui seul est responsable, 6%. Et que tout le reste passe dans des choses qui sont importantes, qui peuvent être importantes, mais qui peuvent être prises en compte par d'autres. Et ce qui fait qu'on a une armée qui est toute petite, qui est insuffisante, on a une police qui est insuffisante, on n'a pas les moyens de la justice, etc., etc., etc. Donc il faut que l'État fasse son boulot et qu'on ait une politique pénale claire, et puis les choses s'amélioreront. Ensuite, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, pardonnez-moi, je vais me répéter un petit peu. Il faut créer des structures aussi pour ces gens-là qui peuvent aller du foyer éducatif, à l'EPI, etc., jusqu'aux prisons, voire tout à l'heure. Je parlais éventuellement, très éventuellement, le bagne et puis bon, la peine de mort. Mais il y a 100 ans à peine, nous avions en France ce qu'on appelait des maisons de redressement. Parce que ces cas-là, ont toujours existé, les malfrats, les petits, les jeunes, les moins jeunes, les plus vieux, malfrats, mais ça a toujours existé. Eh bien, il y avait des maisons dédiées au redressement de ces gens-là. Pourquoi ne pas les réinventer? Ce n'est pas aller contre la dignité humaine que de redresser quelqu'un qui part à volo, quelqu'un qui est en train de devenir un prédateur. Un criminel, ce n'est pas contre sa dignité, bien au contraire, c'est aller vers sa dignité, l'améliorer. Et puis c'est aussi protéger les gens qui, eux, n'ont pas besoin d'être violés, attaqués, etc. Voilà. Donc il y a toute une politique à revoir, et je vous dis, il ne faut pas du tout compter sur les partis politiques pour le faire. Il ne faut pas du tout compter pour le faire. Pourquoi il ne faut pas compter pour le faire? Parce que eux, leur objectif, c'est la prochaine élection. Leur objectif, c'est avoir la place, prendre la place pour en profiter. Je schématise parce qu'il y a des gens très bien dans les partis politiques, c'est évident. Mais globalement, c'est ça. On aboutit toujours à la même chose. Prendre la place pour en profiter, avoir le moins d'ennuis possible, pousser le paquet d'ennuis devant pour le successeur. Alors, vous m'avez tendu la perche pour la prochaine question. Et ça, je l'entends de plus en plus, les gens qui sont autour de moi m'en parlent. Les Français font de moins en moins confiance aux hommes politiques. Oui, comment le percevez-vous? Ils me disent, je n'ai plus voté. J'ai plus confiance. Mais, alors, je le dis, vous n'avez plus voté, ne vous plaignez pas. Oui. Taisez-vous. Rentrez chez vous, ne nous embêtez pas. Si vous n'êtes pas content de ce que vous avez, eh bien, comportez-vous comme des citoyens responsables. Et gardez votre carte de lecteur ou allez vous en fournir une et puis votez. Sinon, ce n'est pas la peine. Taisez-vous. Bien. On retombe toujours sur la même chose. Les Français ne sont pas contents de leur personnel politique parce que ce n'est pas un personnel politique. Ce n'est pas un personnel politique. Et je le répète, pardonnez-moi, on va arrêter maintenant. Je crois que je vais aller plus loin, si vous voulez. Je crois que ce qu'il manque à la nation... la première chose, bien entendu, la plus importante, c'est de restaurer la souveraineté nationale. Par exemple, je vais prendre un exemple bien particulier, sur le président de la République. Aujourd'hui, pour être président de la République, il faut être présenté par un parti politique, et donc être porteur d'une idéologie de ce parti, favoriser les gens de ce parti,
faire les lois promues par ce parti. C'est-à-dire que le président de la République qui est élu par le peuple dépend beaucoup plus de son parti ou d'idéologie ou d'une entreprise, etc., que du peuple. Que du peuple. C'est pour ça que je dis que le parti a, les partis ont installé une tyrannie sur le peuple souverain. Ils s'en servent pour eux. Eh bien, il faut rétablir les choses. Nous avons élaboré un projet pour le président de la République que nous nous proposons de faire passer par référendum. Encore une fois, toutes les choses importantes doivent être passées par un référendum, éventuellement par référendum d'initiative citoyenne ou populaire. Il faut y travailler, il faut y travailler. Les choses ne sont pas claires. Je suis assez favorable à cette idée, à condition d'y travailler, parce qu'il ne faut pas mettre la pagaille. Hein. Mais là, c'est un projet que je porte, qu'on pourrait présenter à un référendum. Le président, une fois élu, si vous voulez, on s'inspire de ce qui se passe aujourd'hui dans l'entreprise. Hein, il y a des CDD, contrats à durée déterminée, et des CDI, contrats à durée indéterminée, hein, qui peuvent être rompus par l'employeur ou par l'employé, qui peuvent être rompus par l'employeur dans certains cas. Eh bien, on s'inspire de cela. Une fois élu, le président, il a un mandat à durée indéterminée, avec une limite d'âge. Et puis, quand même, parce qu'on est en politique et pas dans l'entreprise, eh bien, tous les 7 ans, on fait un vote de confiance. La confiance lui est renouvelée, il continue 7 ans, il n'y a pas d'élection. La confiance lui est refusée, il s'en va, il n'a pas le droit de se représenter, on procède à une nouvelle élection. Et en plus, hein, eh bien, il faut donner au peuple la possibilité de le renvoyer par référendum d'initiative populaire au bout de 3 ou 4 ans d'exercice de ses pouvoirs. Voilà. À partir de là, si vous voulez, les partis politiques, ils sont en dehors du coup. Ils sont en dehors du coup. Ce qu'il faut, c'est mettre à bas la tyrannie des partis politiques. Et c'est pour tout pareil, c'est pour toute chose comme ça. Je pourrais vous parler de quantité de choses, mais je pense qu'on n'a pas le temps. Il nous reste 10 minutes. Je sais qu'on va être limité par le temps, et moi j'ai encore 3 questions à vous poser. On va essayer, si vous pouvez, répondre brièvement à ces questions. Sachant que notre consommation électrique est en constante augmentation, on le voit à l'heure actuelle, croyez-vous que la France puisse programmer un arrêt progressif de ses centrales nucléaires? Non. C'est bref, ça va ou là? Non. Hein? Et pourquoi est-ce qu'on est en train aujourd'hui d'arrêter nos centrales nucléaires? Tout simplement par idéologie, hein, l'idéologie écolo. Et quand on constate que les écolos français veulent arrêter le nucléaire alors que les écolos finlandais prônent le nucléaire, il faut dire à ces gens-là, écoutez, entendez-vous. Hein? Hein? Quand l'écologie est fondée sur uniquement la recherche du pouvoir, développer des peurs, etc., pour accéder au pouvoir, eh bien, c'est ignoble. Ça va, encore une fois, contre l'homme et contre la nation. Hein. L'idéologie qui n'est pas fondée sur l'homme d'abord, le service de l'être humain d'abord, ce n'est pas l'idéologie, ce n'est pas une écologie, c'est une idéologie. Une idéologie destructrice. Non, il ne faut pas arrêter les centrales nucléaires. Surtout qu'aujourd'hui, on ne produit pas assez, donc on importe. On importe d'où? D'Allemagne, de l'électricité produite avec du charbon. Ok, alors les choses sont complètes. Alors, la question, vous avez répondu. Alors là, il y a une question, par contre, qui beaucoup de personnes autour de moi, donc j'en fais partie aussi. Les retraités voient leur pouvoir d'achat chaque année, diminuer comme une peau de chagrin. Ce qui veut dire qu'une personne qui est partie à la retraite il y a 5, 7 ou 8 ans touche moins à l'heure actuelle que le jour où elle est partie à la retraite. Donc, comment on peut remédier à ça? Ils ont été actifs toute leur vie. Pardon ? Ils ont été actifs toute leur vie et ils méritent quand même, quand on voit des fois, des personnes qui ne peuvent même plus se chauffer l'hiver. Non, mais je sais, mais attendez, je sais complètement. Hein. Alors, je ne suis pas dans ce cas-là, même si je suis moi-même retraité, mais j'ai une retraite de général, ce n'est pas la même chose. Hein, donc, je sais. Mais je vois autour de moi, j'habite en pleine campagne, où il y a beaucoup de retraités, il y en a dans ma famille. Il y a un oncle et une tante qui étaient agriculteurs, qui à eux deux font 1 000 euros par mois, c'est pas beaucoup. Hein. Bien. Voilà. Donc, je connais le problème. Mais s'il n'y avait que les retraités, ça serait assez facile à résoudre. Mais en fait, il y a un appauvrissement général de la nation, y compris les actifs. Y compris les actifs. Il y a des gens en France qui vont travailler, mais qui couchent dans leur voiture. Ils n'ont pas de quoi se payer un loyer. Hein. Vous avez la queue au restaurant du cœur,
s'allonge en permanence, etc. Ça veut dire que le pouvoir d'achat en France est de plus en plus faible par rapport aux besoins. Voilà. Et alors, il y a pas une solution pour les retraités, ce sont des solutions globales, générales. D'abord, il y a certainement de l'ordre à mettre. Je vais parler de quelque chose qui peut être un détail dans l'ensemble, mais qui contribue au foutoir. Hein. Par exemple, est-il normal que nous continuions de payer des retraites à des centenaires étrangers qui sont morts depuis 20 ans? Voilà. Hein. En particulier en Algérie, en particulier en Afrique. Voilà. Alors, il faut remettre de l'ordre là-dedans. En fait, le fond du problème, c'est qu'il faut redévelopper notre économie sur des notions sans doute un peu différentes de ce que nous avons connu. Ensuite, pour notre génération, à nous, il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est que nous n'avons pas fait assez d'enfants. Un enfant, c'est non seulement un consommateur, mais pour le faire vivre, il faut créer deux emplois. Et oui, ils n'ont pas fait assez d'enfants. Donc, il est à peu près évident que la France va continuer de s'appauvrir tant que nous ne ferons pas suffisamment d'enfants. Attention, je ne préconise pas une politique nataliste, il y aura humain certainement pas. Hein. On n'est pas en Chine, on n'est pas en Allemagne aussi. Hein. Mais c'est quelque chose de très important. Une nation ne peut vivre et survivre dans la durée, c'est-à-dire dans les siècles, que si elle fait des enfants, si elle se renouvelle. Eh oui, hein, première chose. Ensuite, il faudrait rétablir des notions qu'on a oubliées. Le juste prix, par exemple, ou le juste bénéfice. Pourquoi une entreprise cherche-t-elle à faire un bénéfice maximum? Bon, il est nécessaire qu'elle fasse un bénéfice pour ses besoins propres, pour ses investissements, etc. Mais pourquoi un bénéfice maximum pour les actionnaires? Ben oui, bien sûr, mais cette notion-là me gêne un petit peu, voyez-vous, hein, je ne suis pas un capitaliste au sens américain du terme, je ne suis pas non plus un socialiste, non, il y a quelque chose à trouver, tout doit être mis au service de l'être humain. Et il faut aussi revaloriser le travail. Et sans doute aussi avons-nous vécu une époque avec trop de confort. Écoutez, quand même, hein, il ne faut pas l'oublier, il y a pendant une vingtaine d'années, une trentaine d'années, c'est sympa, hein. Alors, on avait tout ce qu'on voulait, deux voitures, etc. Pas tous, hein, bien sûr. Et aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui, on aboutit à ce que déjà certains économistes et certains hommes clairvoyants qui n'étaient pas écoutés voyaient venir. Hein, eh bien, on aboutit maintenant à une période d'appauvrissement. Et malheureusement, ça risque de continuer. Et il n'y a pas une réponse ponctuelle pour les retraités. Ce sont des réponses globales pour toute la nation qu'il faut trouver. Et encore une fois, ça passe par la mise en place au niveau de l'État d'hommes et de femmes qui sont au service de la France et des Français. C'est toujours la même chose. Si on ne fait pas cela, je le répète, dans 100 ans, la France sera morte. Alors, il nous reste 3 minutes, mon général, sur une dernière question. Que je vais à la pointe vraiment si votre fond à vous. Pour vous, mon général, comment définiriez-vous l'état de la France à l'heure actuelle? En 3 minutes? Ah bon, c'est pas moi qui fais l'émission, il faut voir pas. Hein. alors, si vous voulez, ça va être très rapide parce que je pourrais en parler pendant beaucoup plus longtemps. L'état actuel de la France est catastrophique. Catastrophique. Hein, et je maintiens que si nous continuons comme ça, nous avons deux risques. Le risque d'une guerre civile, ethnique, raciale, religieuse, qui va être destructrice, mais ce n'est pas le pire. Il y a le risque d'une mort lente dans notre pays, par dépopulation, dénatalité, par transformation, subversion de notre culture nationale, de notre civilisation européenne, par une civilisation musulmane, par l'islamisme. Hein. Voilà. Et donc, ça, ce sont les deux risques majeurs. Ceci étant, le pire, s'il est de plus en plus probable, n'est jamais certain. Ouais. Il n'est jamais certain. On peut toujours l'éviter. Hein. Il faut le vouloir, il faut avoir les hommes et les femmes prêts à le faire au risque même de leur peau.
au risque même de leur peau. C'est toujours la même chose. Il faut trouver des hommes et des femmes qui sont au service de la France et des Français, et on s'en sortira. La situation que nous vivons aujourd'hui est sans doute la pire qu'ait connue la France depuis la guerre de 100 ans. Elle s'est sortie de la guerre de 100 ans. Marc, on va faire un tour de table. Oui, bien sûr. Moi, c'est terminé pour moi. Il a répondu à toutes mes voilà, questions. Voilà, si tu as quelque chose à dire aux internautes, à ceux qui nous regardent. Non, mais écoutez, moi, si vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube Provence Reportage, j'ai à peu près 300 vidéos dont il y a eu toutes les manifestations à Paris, Marseille, Montpellier, Nîmes, Avignon, des manifestations assez violente, qui a eu tout de moins. Et ça ne traite pas que de ce sujet, ça traite un petit peu de l'écologie, de certaines, je veux dire, que la France est en train d'empoisonner de plus en plus. Deux îles qui me tiennent particulièrement à cœur, c'est la Martinique et la Guadeloupe, qui sont empoisonnées encore pendant plusieurs siècles par le chlordécone. Et ces gens-là vivent vraiment, c'est très dur pour vivre, c'est très très cher, la vie est très chère. Et en plus, il faut savoir quand même que sur ces deux îles-là, ça va être ma conclusion, ils ont le taux de cancer qui est le plus élevé au monde pour les hommes sur la prostate, tout simplement parce que le gouvernement français a voulu continuer à écouler des stocks de chlordécone, qui était un dérivé de la Première Guerre mondiale, qui était tout simplement un désherbant. Ils avaient des stocks, les Américains les avaient arrêtés bien avant, eux ont voulu continuer, et on peut dire qu'ils s'y sont servis, et que maintenant, malheureusement, c'est Martinique et c'est Guadeloupéen en paye le prix. Mon général, le mot de la fin. Moi, j'ai retenu souveraineté du peuple, référendum, distribution des richesses. Ce soir, c'est votre message. Distribution richesse. Distribution de la richesse. Oui, mais enfin, c'est pas l'essentiel. Non, revalorisation du travail. Voilà, revalorisation du travail. Nous travaillons de moins en moins. Nous travaillons de moins en moins en France. Hein. On ne peut pas vivre sans travailler. Et le travail n'est pas une damnation. C'est au contraire une libération de nos capacités. Donc, il faut travailler. Hein. Le mot de la fin, moi, je crois en la France. Si je me suis engagé, alors que j'ai autre chose à faire, 70 ans passés, si je me suis engagé, c'est parce que je crois en la France. J'y crois vraiment. Hein. On peut en sortir si on le veut. Avec moi ou avec d'autres, mais on peut s'en sortir. Donc, si vous êtes d'accord avec ce que je dis, eh bien, aidez-nous, aidez-moi, en avant. Je vous remercie pour cette émission en direct. Donc, je remercie les équipes du premier CPC de Rebâtir la France. Donc, si vous voulez vous engager, rejoignez le groupe Rebâtir la France, qui travaille avec les générales. On se retrouve d'ici 15 jours pour un nouveau direct. Je vous remercie encore, mon général. Je vous remercie aussi, Marc. Et bonne soirée à nos auditeurs. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.